Salut à tous les amis, c'est Captain Spidey, comment vous allez? Moi ça va super, on se retrouve pour la suite du let's play de Marvel Spider-Man. J'espère que les épisodes précédents vous auront plu, toujours un plaisir pour moi comme d'habitude. Et on va continuer, rappelez-vous on avait arrêté Martin Lee dans une force cool, enfin dans une forte course poursuite à travers le métro de Manhattan. On avait réussi à arrêter le bus et là on va aller voir ce qu'il se passe. Ah. J'enregistre vidéo sur vidéo aujourd'hui alors je vous parle puisque j'ai enregistré une toute nouvelle vidéo qui aujourd'hui le 6 vous la verrez, mais elle sera déjà passée à l'heure où vous verrez cet épisode du let's play. Bref, vous avez compris tout ce que je manigance, pas forcément, c'est pas grave, mais vous aurez compris quand même, voilà. Alors, hop. Ah oui, c'était cette fameuse mission. Riker, il faut qu'on se dépêche. Grimpez. Qu'est-ce qu'il y a? C'était une attaque coordonnée. Elle a dû être préparée de l'extérieur. Tous les blocs sont ouverts. D'ici quelques minutes, tous les détenus de Riker vont défiler sur la 5ème avenue. Ok, et le raft? Ça devrait aller. C'est un centre carcéral Supermax, plus encadré et avec un réseau à part. Tant mieux. Et le souffle du diable? C'est Sable qui s'en occupe. Vous leur faites confiance? Ai-je vraiment le choix? Non. Fallait mettre ta ceinture. Eh ben. Ok. M'en charge. Ça c'est l'une des deuxième mission que je préfère avec celle de la grue et du chantier de fisc. Vous allez comprendre pourquoi. Mince. Allez, on y va. J'ai l'impression que votre plan d'évasion a quelques lacunes. Voilà, Hurricane. Ok. Bon sang, ils sont entrés dans l'armurerie. C'est grave. Ça a l'air grave. Ça veut dire que les détenus ont maintenant des lance-roquettes. Ok, c'est grave. Je m'en occupe. Si vous regagnez tout gentiment vos cellules, on fermera les yeux sur ce qui s'est passé. Ok. Allez, on enchaîne. Toi, tu viens là. Hop. Super. Hop. Voilà. Qui a eu l'idée géniale de ranger des lance-roquettes dans une prison? Parfait. Ici le sergent Hudson, répondez. Y a quelqu'un sur ce canal? Ici le capitaine Watanabe. Où êtes-vous? Allez, on colle tout le monde. Sur le toit, près du bloc C. J'essaye de rétablir le courant. C'est vous dans l'hélico? Affirmatif. Qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Qui a eu une panne de courant? Boum. Et tout est parti en vrille. Tenez bon, on vient vous chercher le plus vite possible. Spider-Man, vous pouvez aller sur le toit? Il y a un agent là-haut qui nous appelle à l'aide. Ça arrive. Ok. Allons sur le toit. Hey, ici la Gunshot, répondez! Oui! C'était! Ah. Quelqu'un est piégé derrière cette porte. On maîtrise. Essaye d'esquiver! Donne-moi ça. Allez. Voilà. Et on le termine. Ils vont me tomber dessus. Faites-moi sortir de là. J'arrive, mon ami. Ils arrivent. Où est la sécurité? Ils s'en prennent à ma voiture. Ouais, c'est la panique. Oh.
Aidez le directeur! Moi je regarde si je peux rétablir le courant! Ouais, pas de problème. Ok. T'inquiète, on est là. Non, pas ça que je voulais faire. Je voulais avoir lui. Ok. Je dois tous les éliminer. Toi, tu viens là. Allez, monte avec moi. Voilà, range le mur. Attention! Oh là 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 là. On peut pas faire pire que ça. C'est la on panique. On peut toujours faire pire. Où est-ce qu'il y a du monde? Là. Allez, mange la voiture. Voilà. Aïe, je sais pas d'où ça venait. C'est bien joué. Voilà, parfait. Allez. Allez hop, ça dégage. Pas bien du véhicule, hein, je vous prie. Ok. Ça a l'air à peu près en ordre par ici. M'avez pas dit que le rap craignait rien? Plus maintenant. Allons-y. C'est peut-être pas si grave que ça en a l'air. J'adore votre optimisme. Mais d'après mon expérience, quand ça a l'air grave, c'est grave de chez grave. Attention! Loris! Je glisse! Tenez bon! Ça va? Oui. Soyez les bienvenus à la fête, juste à temps pour le grand feu d'artifice. Liberté conditionnelle, les gars! Trop? Pourquoi il fait sortir tout le monde? Je vais aller au centre de contrôle pour évaluer la gravité de la situation. Ok, je m'incruste à la fête. Alors, vous allez tous regagner gentiment vos cellules et fermer la porte derrière vous, d'accord? Bonjour, messieurs. Oh, c'était incroyable. Et ça, c'était la mission qu'ils avaient présentée à l'E3 2018. Et c'était insane. Je me rappelle, j'étais comme un ouf. Et je me suis dit que ça allait être... Ok, t'aurais jamais dû faire ça. Que... j'ai toujours su que ça allait être un grand jeu. Jusqu'à avoir la... Et hop, prenez ça, messieurs. Hop. Voilà. On a eu tout le monde là? Ah non, là on a eu tout le monde. Ah non. Voilà, là on a eu tout le monde. Pas trop ce bruit là.
Ok. J'espère que t'aimes la surprise, l'araignée. Surprise? De quoi il parle? Ok. Quelle est votre situation? Moi? Oh, je suis coincé dans une prison avec tous les criminels qui... C'est bien trop beau pour être vrai. Scorpion, tu peux attendre une minute? Je suis en train de parler au téléphone. C'est pour le boulot. Je me tiens. Ça a coupé quelques secondes. Vous allez bien? Non, pas vraiment. Electro, Rhino et maintenant Scorpion sont en liberté. Qu'est-ce qui se passe dans le reste de la prison? La vidéosurveillance est presque rétablie. Je vous fais un point très bientôt. Ok, je continue à poursuivre Electro. Ok. Voilà. Hop. Voilà. Ah, c'est bon. Allez, on avance. Allez, Spider-Man, on est dans une course poursuite. Et ça, c'est méga stylé, non? Dites-moi que c'est stylé. Si tu me dis pour qui tu travailles, j'irai doucement, promis. Je me fais toujours embarrer quand je propose ça. Tu m'étonnes. Oh, je te tiens. Vulture, ça faisait un bail. Je sens qu'on va beaucoup s'amuser. Désolé, pas le temps de causer. Et je veux des missions épiques comme ça dans cette suite. Ok, j'ai rétabli le système de vidéosurveillance. Et ça donne quoi? Eh bien, on dirait que toute la population du Raft s'est fait la belle. Compris Martini. Ça nous fait donc 5 de vos ennemis mortels qui sont désormais dans la nature. Voilà. Pendant une seconde, j'ai cru que vous étiez sérieuse. Je suis très sérieuse. Je suis trompé. Il y en a qui prennent la direction de la ville. Mais allez! Mais... Voilà, c'est... bon, je me suis fail, mais c'est pas grave. Ok. Wow. Electro, arrête! Comment tu trouves mon nouveau costume? Très classe. Où tu l'as eu? Je suis membre d'un club. Rappelez-vous, il a dit de ne pas le tuer. Bonne idée. On n'est même pas obligé de se battre hein, si vous voulez pas. Oh, mais on en meurt d'envie. Oh. Ah!
premier et dernier avertissement. Ne te mêle plus de nos affaires. Vous avez tous reçu une mission. Vos dettes seront réglées quand ce sera fini. Partez! Toutes ces années, tous ces mensonges. C'est fini, Norman. Ils vont savoir la vérité. Mais, tout va bien? Oui, ça va. Pourriez-vous distribuer ça à ma place? Oui, bien sûr. Mais les experts travaillent jour et nuit pour trouver un remède au virus. La quarantaine de la ville est appliquée avec autorité. Par Sable International, qui assure fermement la sécurité de tous les points d'accès. À travers la ville, la police et les agents de Sable luttent toujours contre les évadés du Raft et de Riker. Pendant ce temps, le maire Osborn a publiquement accusé Spider-Man d'avoir causé l'évasion et l'épidémie, avant de le qualifier de fugitif. Cependant, aucune preuve n'a été apportée. Beaucoup pensent que le maire cherche à fuir ses responsabilités depuis qu'une enquête du Bugle a révélé que le virus qui se répand dans la ville a été créé dans un laboratoire secret et clandestin d'Oscorp à Manhattan. Le maire Osborn assure qu'Oscorp travaille en ce moment... Éteignez-moi ça ! ...sur un sérum, mais là encore, aucune preuve n'est venue confirmer ses déclarations. Comment ça a pu arriver? L'hôpital vient de me téléphoner. Ils disent que vous vous êtes enfui. On n'a pas de temps à perdre. D'après les médecins, vous avez 14 os encore cassés, au moins. Ouais, autrement dit, j'en ai encore 192 intacts. Et merci pour votre aide, au fait. Le plus dur a été de vous cacher aux yeux de Sable. Ils vous ont catalogué comme cible prioritaire, vous savez. Je le prends comme un compliment. Qu'est-ce qui arrive à notre ville, Yuri? J'en sais rien. Ça ressemble à la fin du monde. C'est peut-être ça. Eh ben, compliqué cette évasion, trahison, etc., etc. Pour prendre le contrôle de quartiers entiers. Tout piller, menacer les résidents, et j'en passe. Je m'occupe d'eux. Autre chose? Le maire a donné carte blanche à Silver Sable pour retrouver Martin Lee et Octavius. Elle embarque des gens à l'appel et les retient dans des bases aux quatre coins de la ville. D'après les rumeurs, ils pratiquent même des interrogatoires augmentés. Ah, et de la torture, quoi. Ne vous en faites pas, je m'en charge. Ok. C'est notre ville, Yuri. Et on va la reprendre de force. Super. Mes hommes sont sur les traces des super-vilains. Je vous tiendrai au courant de nos avancées.
Pour l'instant, tâchez de stabiliser la ville. Équipe de sable sur place. Rapport de situation sur Upper Chinatown. Poste d'observation au rapport. Rien à signaler. Inutile de rameuter les types de sable. Hé, hey, les gars! Venir par porter plainte pour harcèlement! Ok. Voilà. C'est pas très sympa, les copains. Je me demande si les propriétaires de ces immeubles font payer un loyer à sable pour ces postes d'observation. Équipe de sable sur place. Rapport de situation sur Upper Chinatown. Centrale. Peter, j'ai essayé de te joindre toute la journée. Tu vas bien? L'évasion à la prison a mis la ville sans dessus-dessous cette nuit. Je vais bien, mais je suis prudent. Hop. Allez. Ouais. Au revoir, messieurs. Ce serait plus facile en étant deux, hein. Je vous le dis, moi. La ville est désormais un peu plus sûre. Merci, Spidey. Fallait pas me chercher. Hop, voilà. Ok, là, je me la pète. À tous les agents, on nous signale qu'une émeute vient d'éclater. Le signalement a eu lieu à Nolita. J'arrive. Hé, hey, sérieux? Vous sortez de prison et c'est tout ce que vous trouvez à faire? Désolé d'interrompre votre soirée romantique. Et me revoilà. Donc, comme je le disais, je vais bien, Mar. Je suis prudent. Pourquoi que je m'inquiète? Oh non, ne t'inquiète pas. Le refuge Fist est l'endroit le plus sûr de la ville en ce moment. On ne peut pas en dire autant de nos antennes au nord de la ville, mais ici, on est en sécurité. Donc ça dure. Je passerai dès que j'aurai un moment. Mais... C'est le cirque. Allez, toi, tu viens là. Voilà. J'ai jamais compris qu'on puisse trouver du plaisir à mettre le feu à un immeuble. Non, ça c'est pas cool. C'est quoi la prochaine mission? Mission actuellement disponible. Faut toujours aider. Les dodo. Hé, les gars! Ah voilà. Spider-Man, les détenus du RAR ont refait surface. Et ils assiègent nos commissariats. Mes hommes ont besoin de votre aide. Tout de suite. Rejoignez un point d'observation dans le centre et je vous expliquerai. Je suis en route. Octavius ? Non. Deux, c'est l'Arbab. On est toujours à sa recherche. Pour être honnête, je suis pas rassuré. Le docteur doit être le super vilain le plus intelligent que j'ai jamais connu. Ouais. C'est bien ça qui m'inquiète. Tenez bon, capitaine. Allez, on arrive, Yuri. À la rescousse du commissariat. Ici le central de sable, faites-nous un point sur Bowery. Ok. Attendez au rapport. Aucune trace de la cible pour l'instant. Tout le monde me veut. Et ouais, je trouvais ça vraiment bon. Pour être honnête, le méchant dans le premier run, quand tu fais le jeu, en tout cas pour moi, tu le sens venir à 15 km quoi. Et c'est peut-être l'un des points, on va dire pas dommage du jeu, mais on va dire du coup quand il arrive ce qu'il arrive là dans cette mission qu'on vient de faire, bah t'as forcément moins d'impact. Moins de surprises qu'un truc vraiment marquant, comme par exemple il y a pu avoir dans God of War, tu vois. Ok, capitaine, après, je suis en place. On aura peut-être ça dans le 2, tu vois. Reno est en train d'assaillir le commissariat d'Upper West, Electro celui d'Upper East. Empêchez-les de prendre le dessus. L'un ou l'autre, de toute façon, c'est la même galère partout. Ok. Eh ben, allons sauver les commissariats.
On arrive à la rescousse. Peter, tu as un moment? On a besoin de toi à l'annexe Beast, dans le nord. Le refuge des vétérans à Harlem? Qu'est-ce qu'il y a? Les évadés de Riker exigent des vivres et du matériel. Ah. Les employés se sont barricadés, mais ils ont besoin d'aide. Je me rends sur place avec Miles pour faire évacuer le personnel. Surtout, ne faites rien avant que j'arrive. On se retrouve à Harlem. Ok. Épuisé. On veut qu'il soit pas malade. Il faut que j'aide Yuri et direction Harlem. Direction Harlem. Allez, allez, cours, Forest. Avec la tour des Avengers. Yuri, j'arrive au commissariat d'Upper East. Super, Electro et les démons empêchent mes hommes de sortir. C'est une situation compliquée. Vous comprendrez une fois sur place. Yuri Watanabe, la reine du suspense. La voilà. Je le vois d'ici. Bonjour. Grosse galère. Les transformateurs électrisent le bâtiment et piègent les policiers à l'intérieur. Yuri, c'est pas compliqué, c'est pire. Désactiver les transformateurs pour libérer vos hommes. Même si vous y arrivez, ils auront encore besoin de votre aide contre les démons. Je suis là pour ça. Pas de problème, les démons. Deux démons, ça en est vous. Encore quatre et c'est plié. Et de deux, encore trois. Non. Electro et ses délires perchés de super vilain. Ça m'avait manqué quand il était au raft. GG la police avec un réseau de transformateurs. Ok. D'où ça sort ça? Vas-y. Voilà. Allez, au revoir. Y'a un transfo où? Merde. Ah, là-haut. Il n'en reste qu'un. Ok. Hop. Hurricane, voilà. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Toi, tu viens là. Voilà. Ok. Voilà, parfait. Les policiers sont libres, mais les démons lâchent rien. Je dois les assister. Ok, ce qu'on va faire. Toi tu viens là, hop. Et prête, parfait. Allez, viens là. Coller. Et voilà, et là il en reste plus qu'un. Et voilà. Parfait. Yuri, vos hommes sont hors de danger. Et maintenant? Rendez-vous dans l'Upper West Side. On veut abriter les civils, mais Rhino nous met des bâtons dans les roues. Allons-y. Comme d'habitude, j'arrive. Ce bon vieux Rhino. Miles m'a laissé un message. Pete, salut. Même a demandé de t'appeler. La grosse cata au refuge des vétérans. Les prisonniers essaient de défoncer les portes. D'accord, ça pue vraiment. On fait sortir les gens par le sous-sol, mais on a besoin de renforts.
J'espère que tu peux venir rapidement. Je dois sauver les commissariats et filer à Harlem. Là, c'est course contre la montre. Comme jamais. Attention, 1043. On a dû faire une course contre la montre. À tous les agents près de la caserne, répondez. On est là. Voilà. Rhino s'est sauvé. Les anciens pensionnaires de Riker s'attaquent aux barricades de la police. Je vais rééquilibrer les forces. Allez-y. Si ces barricades tombent, okay. Je donne pas cher de leur peau à l'intérieur. Allez, hop, hop, hop. Hop. Tout le monde collé. Là-bas, et... Bonjour, messieurs. J'ai jamais vu Rhino s'éclipser pendant un affrontement. Je dois bosser sous les ordres du docteur Octavius et faire des attaques éclairs dans toute la ville sur les brigades de l'intervention. Voilà. On va te coller. On arrive. Hop. Voilà, et le dernier. Et tu viens là, voilà. Éliminer les ennemis armés au lance-roquettes. Ah, sur les toits. Bonjour, messieurs. Pas tant que je serai là, je m'en occupe. Bonjour! C'est le livreur de pizza. À toi de libérer! Spider-Man, allez! On va pulvériser ce bâtiment! Voilà. Ici, et on termine. Avec là. Voilà. Ah, ça c'est pas cool. Des moyens plus simples de demander un autographe. Des jetpacks? Quelqu'un a eu l'idée brillante de leur filer des jetpacks. Les gars, on est dans la même équipe. Bonjour. Au moins, attendez qu'on ait vaincu les fugitifs avant de m'attaquer. Ayant la loi sur pacifié. Pacifié? Vous ne pas que ça fait grosse repompe de 1984? Quoi? Y'a que moi? Personne d'autre, sérieux? Voilà, lui, c'est fait. Si vous avez pas eu assez de baston pendant votre run, bah, c'est typiquement la mission où tu casses tout. Voilà. Et allez. Et là, il a pas de coup. Et le dernier. Allez. Au revoir. Allez, c'est ça que je voulais faire, pas grave. Voilà, lui là-haut, on s'en occupe. Là, et le dernier. Je dois m'occuper des macaques volants de sable. Voilà. Yuri, le commissariat est sécurisé. Ensuite. Et j'ai vu ce que ça faisait d'être la cible prioritaire de sable. C'est pas drôle. Ça vous apprendra à emmerder des mercenaires internationaux. C'est ça. Bon, je vais devoir me déconnecter. Vous m'appelez si ça part en vrille. Ça marche, et merci. Grâce à vous, on peut leur tenir tête. Ok. Je dois foncer à Harlem, à l'Annex Fist, pour aider May. Harlem, 600 mètres. Peter, on a besoin de toi au refuge des vétérans. T'es où?
J'ai été retardé. Tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Les évadés ont allumé un incendie. On a fait évacuer le personnel, mais Tante May et Miles sont piégés à l'intérieur. J'essaye de les rejoindre, mais les flammes se propagent super vite. Reste où tu es, MJ. Je m'en occupe. Dépêche, Peter, dépêche! Got it, Peter, got it. Peter, les sapeurs-pompiers sont en route et j'ai trouvé une issue de secours pour accéder... MJ, reste où tu es! J'ai déjà assez de monde à sauver comme ça! Peter, fais pas l'idiot, attends les secours! Mais! Mais! Par ici! Où est par ici? Je vous tiens. Tenez bon! Mais... vous allez bien? Approchez-vous de la fenêtre! C'est trop loin! Tenez bon! Ok, accrochez-vous! Allez, espèce de sale... Allez, mais je vous tiens! Oh mon Dieu! Allez-y! Allez! Miles, allez! Elle va bien. Tout le monde est sauvé. MJ, si vous aviez pas été là, toi et Miles, je serais... mort, oui. Tout comme moi les 36 000 fois et demie où tu m'as sauvé la peau. Je crois que t'as encore un peu d'avance. Oh, ça fait mal. Hey. Désolé pour le plan foireux, c'est juste... c'est... pas facile d'être celle qui se fait sauver tout le temps, tu vois. Des fois, je voudrais inverser les rôles. Je suis désolé, j'aurais dû te faire plus confiance. On est encore partenaires? Toujours. Hé, hey, je savais pas si vous vouliez de l'eau minérale ou de l'eau de source ou plate ou gazeuse. Alors, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai pris une de chaque. Je vous ai interrompu. Non, MJ, Miss Watson et moi discutions stratégie. Stratégie? C'est ça. La ville est en danger. Elle a besoin de notre aide. Oui, de toute notre aide. Ok, coach. Bon, c'est quoi le plan? Ok. Diviser pour mieux régner. Miss Watson, il nous faut un antisérum pour le souffle du diable. Oscorp cherche un traitement. Mais il n'y a aucune chance qu'il puisse le garder en sécurité contre Octavius Ellie. On doit trouver le remède et le protéger. Je vais chercher des pistes. Miles, tu seras mes yeux et mes oreilles au centre Fist. Au moindre pépin, appelle-moi. Il faut qu'on protège le refuge et tous ceux qui s'y trouvent. Ok, ça roule. Et vous, vous allez faire quoi? Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils ont tort. Hé, attendez, comment je vous appelle? Je veux dire, vous avez un portable? Dans une poche ou enfin, je sais pas. Miss Watson va te donner mon numéro. Allez, bon courage. T'as son
numéro. Quoi ? T'es sa copine ? Ah, c'est tellement cool. Et... Ah. Allez, Sherlock, montre-moi un peu ta collection de bouteilles, là. C'était drôle cette partie-là, bon, je me souvenais plus. On a un peu repris le contrôle de la ville. Miles surveille le fist. MJ cherche le remède au souffle du diable. Je peux enfin me concentrer sur Otto et l'empêcher de mener son plan à exécution. Ok. Yuri, il faut qu'on s'occupe des grosses pointures. Toujours aucun signe d'Octavius ? Non. La police scientifique ne peut même pas s'occuper de Times Square. À part le stagiaire, tout le monde dans le service est malade. J'ai peut-être une solution. Je vous fais signe si je trouve quelque chose. Ok. Il nous en reste un là. Là-bas. J'ai vu. Tu sais ce qui me plaît chez toi, petit. Tu t'améliores toujours. Bon, merci, harceleur mystérieux. Tu peux m'appeler Taskmaster. Ça veut dire chef de corvée, c'est ça ? Ça vous va super bien. Un groupe de mercenaires est en train de commettre des crimes à travers la ville. Ces fameux mercenaires, ce seraient pas tes mercenaires par hasard ? Non, je sais juste qu'ils touchent une belle somme pour leur travail. À moins que tu n'interviennes, bien sûr. Qu'est-ce que tu gagnes ? Je profite du spectacle et j'apprends. De nouveaux types de défis peuvent être développés dans la ville. Alors, je sais plus si c'était lequel. Ah oui, c'était ça là, défi d'infiltration. Ok. On est à quoi ? 41 minutes de vidéo. On va se faire le. Le truc du chat. Alors, à moins que ça soit au-dessus, peut-être. Ah oui, celle-là. On termine ça et puis on se laissera là-dessus. Ces caméras sont pas données ? Si Félicia est fauchée, pourquoi est-ce qu'elle les laisse traîner ? Alors. J'adore te voir courir, Spidey. Un jour, je te laisserai peut-être me rattraper, mais pas aujourd'hui. Alors, où est-ce que c'est ? Maintenant. Poule, là-haut peut-être. Ah, encore là. Encore un chat. Black Cat, voilà. Est vraiment très joueuse. Surtout avec moi. Un petit sac là-bas. Ah bah attendez, on va se faire le crime là. Faut que j'intervienne avant. Voilà. Non, pas ça que je me suis trompé. Hop, hop. Voilà. Elle commence de science-fiction post-apocalyptique. À me fatiguer. On n'en est pas loin. Allez. Ok, je suis complètement foiré. Voilà. Ok. Bon, on va se laisser là. On va juste se trouver un petit endroit sympa. À toutes les unités, besoin d'effectifs. En direction de la tour. Bon bah les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un épisode que j'ai beaucoup apprécié avec de nombreux rebondissements. Toujours sympa. Je vous dis à très très vite pour la suite. Prenez soin de vous. Ciao ciao, bye bye.